gang. Distance marathon, 42 km de complété en 3h42. En deuxième position, le premier Samuel Trudel qui vient de. Je pense qu'il est vraiment en avance. Je viens de passer Martin. Il avait un petit peu de difficulté. J'espère qu'il va être correct. J'espère qu'il va pouvoir continuer. On est à 42, il est 3h43 du matin, 3h43 de course. On va tantôt. Mathieu, après ton premier marathon, ton premier 42,2 km d'effectué, tu m'as demandé de commencer à regarder pour des arrosoirs sur les terrains qui étaient actifs. Puis tu allais vraiment comme te mettre la face dedans au complet pour te mouiller. Comment tu te sentais là, après ton premier 42 km? Ouais, c'est sûr que je trouvais que la nuit avait été chaude. Hein? Ouais. Il avait fait vraiment chaud, il n'y avait pas de vent. On avait une nuit de rêve. Là, puis, mais pour courir, c'était pas optimal. Fait, j'avais quand même chaud. Puis j'avais vraiment le goût de me rafraîchir. Là, mais il n'y a pas de ravito là, la nuit là, dans cette course-là. Là. Fait que je demandais à J.O., il faut absolument que tu me dises à chaque fois que tu vois un arrosoir ouvert, là, les gens qui ont des arrosoirs automatiques. Fait que je pense que j'étais allé un bon 3-4 fois à chaque fois que j'en voyais une. J'ai même été demandé dans une fontaine qui garochait de l'eau là, gratis. Là. Ouais. Puis j'étais allé me mettre la tête dedans. J'étais parti. Fait que c'est du temps compté dans la course. Là. Puis là, après ça, pour eux, on est arrivé. Le trajet du MRSQ, c'est un aller-retour. On se rend à Beaconsfield, puis on revient au Mont-Royal. C'est du Mont-Royal à Beaconsfield 50, puis on revient au Mont-Royal. Au 50, c'est comme le ravito principal. T'sais, c'est comme une grosse étape dans la course. Puis moi, on est arrivé là, puis c'est comme le moment où tu rencontres le premier. T'sais. Fait que là, j'étais tout seul, mais il y avait Samuel, je savais qu'il était en avant, puis je me disais, OK, il doit, à 48, 49, je t'ai dit, hey, on doit être à veille de le voir, il va être reparti, c'est sûr. T'sais. Mais non, il n'était pas reparti. Puis quand on est arrivé au Tim Hortons, il recommençait à courir. Puis c'est drôle parce que j'étais arrivé au Tim Hortons, il y avait une bande de trottoir, puis j'ai comme. Je me disais, OK, je courais, puis j'ai essayé d'esquiver la bande de trottoir, mais mes jambes ne me levaient plus assez. J'ai tombé au sol, face à la première. Puis Samuel, il est venu me chercher, il est venu me pogner par la main, puis on s'est fait une accolade comme ça, puis on s'est dit, comment ça va, blablabla. Puis là, il dit, ça va super bien, puis lui, il repartait. Fait que moi, je disais à J.O., je dis, OK, J.O., je sais pas qu'est-ce que tu as à faire ici, là, mais moi, je te dis, dans 4 minutes, je suis reparti. Parce que d'habitude, le monde, à ces courses-là, ils vont rester longtemps au ravito. C'est normal, tu sais, mais quand tu as une chance d'aller chercher une grosse course comme ça, mais tu sais, pourquoi pas, tu es là, tant qu'à y être, tu sais, on va y aller pour la victoire, tu sais. Puis là, J.O., il est parti, il est allé jeter, faire un peu de ménage dans le vélo électrique, puis on est reparti, ça n'a pas été long, on est reparti. On est à 58 km presque, il reste l'équivalent d'un marathon à courir, 5h08 de course. Ça va bien, un petit coup de fatigue après le ravito du turnaround, un petit down, mais ça recommence à revenir. Deuxième place, quand même en avance solide. Le premier, pas trop loin, on l'a vu au Tim Hortons, au Samuel Trudel, mais je pense qu'il est très très solide. Il courait vite. Vous pouvez me laisser des commentaires, je les lis toutes, J.O. il me les lit toutes. Puis ça me fait vraiment du bien, ça me donne du gut. Merci. On a fait plusieurs vidéos au courant de la nuit, Mathieu, puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'a redonné un petit peu d'énergie. Tu passais après ça un 2-3 km sans chialer, fait que c'était quand même très bien pour moi. puis on a fait un vidéo quand il restait un marathon à faire. Puis on a demandé des commentaires aux gens parce qu'il était comme commençait à être 6h, 6h30, lever du soleil, là, les gens commencent à se lever puis à regarder un petit peu leur Facebook aussi. On a eu beaucoup de commentaires. Comment ça t'a aidé tout ça pour ouais. descendre la course? Ouais, c'est sûr que t'sais, rendu là, t'sais, tu fais t'es comme une interaction avec les gens et tu sens vraiment t'sais, les gens qui sont là à 6h puis qui te suivent puis qui te répondent parce que tu leur demandes des commentaires parce que ça t'aide, ben t'sais, c'est sûr que ça touche énormément puis t'sais, ça te donne une énergie là, instantanée. Là, c'est comme c'est du gaz gratis. Là, t'sais, là. Fait que t'sais, moi ça vient me chercher puis c'est. J.O. il me lisait instantanément, là, j'avais même pas besoin d'y demander, il était sur son sel, pis il me disait Colette de Rimouski! Non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, ça m'a vraiment aidé parce que
le plus dur était à venir. Là. Moi, je le savais. Là. À 60, tu es complètement pété. Au lieu d'avoir dormi 8 heures dans ta nuit, tu as couru 6 heures. Là, t'es comme tout seul sur le bord de l'eau, puis il te reste un marathon à courir avec de la douleur. Fait que, tu sais, là, c'est là que la game mentale embarque. C'est là que tu te dis, OK, tu sais, c'est pas vrai que j'ai tout fait ça pour abandonner ici. Là, t'sais, là. Écoute, j'ai été vraiment impressionné par la bataille que tu as menée avec le premier qu'on a suivi. Là, dans le fond, surtout qu'on est reparti du Tim Horton avec ouais, 15 minutes d'avance avec eux. Puis l'organisation du MRSQ, très bien organisée. Toutes les fois qu'on arrivait au ravito, nous donnait le temps que le premier avait passé au ravito. Puis ça faisait combien de temps qu'il était passé, en fait. Donc, je pense que ça t'a aidé beaucoup là, pour ben, tu sais, c'est certain. Oui, c'est certain, tu sais, que de suivre quelqu'un comme Samuel, tu sais, puis de me rendre compte qu'à chaque ravito que j'arrivais, parce qu'au deuxième 50, il y a des ravitos à peu près à tous les 8 km. Puis, je lui demandais toujours, c'était ma première question, je disais combien de temps exactement. C'était toujours pareil, 12 minutes, 8 minutes, 10 minutes, tu sais. Puis, ma question était tout le temps après, comment est-ce qu'il allait? Est-ce qu'il était bien? Ben, il me disait toujours la même chose, c'est comme il a arrêté, tu sais. Je disais, OK, ben moi, fait que moi, je courais moins vite que lui, mais j'arrêtais pas. Lui, je pense qu'il arrêtait un petit peu. Mais on s'est suivi là, quasiment tout le long. Tu sais, c'est certain que rendu là, tu te bats quand même pour une position, mais avant tout, tu veux finir. Tu veux la finir, la course, mais tu vas chercher les motivations partout ce qu'il y en a. Ça en était une. OK. Dernière petite vidéo avant de commencer la montée royale. 81 km à peu près de fait. On vient de passer l'avant-dernier ou l'avant-dernier ravito. Ils nous ont dit j'étais encore à 10 minutes là, derrière Samuel. Mais je pense que l'important pour moi aujourd'hui, ça va être de finir cette course-là et avoir le sourire. On se voit tantôt. Donc après cette vidéo-là, ben j'ai manqué de batterie parce qu'on a quand même passé la soirée sur Facebook je te disais, des commentaires, puis envoyer des... On était relax sur Facebook, là. Ouais, on envoyait des snaps, puis c'était bien le fun, là. Rien de très compétitif. Dans le fond, là, il nous restait l'île Sainte-Hélène, la montée du pont, puis la montée du Mont-Royal, qui est quand même, là, une fin ouais, mais c'est assez... C'était comme le degré de difficulté, là, tu sais, rendu là, tu l'anticipes, tu sais, là, que ça va finir comme ça, là. Moi, je le savais. Puis pour vrai, tu sais, j'ai eu des downs de 60 à 80. Je me suis vraiment parlé, tu sais, en 60 et 80, c'était dur. J'ai réussi à revenir grâce un peu à tout ce que je vous racontais de positif, les gens qui m'écrivaient, tout ce que j'avais vécu les journées d'avant, les personnes à qui j'avais parlé, les gens qui savaient qu'ils me suivaient de proche. C'est tout ça qui a fait en sorte que, rendu à 80, je savais que je le réussirais. Puis je pensais que le pont Jean-Cartier puis la montée du Mont-Royal était pour être vraiment vraiment difficile, mais pour vrai, tu sais, ça a été les plus beaux kilomètres de ma course parce que tu sais, c'était quand même dans la course à pied, jusqu'à maintenant, c'était quand même, c'est déjà ma plus grande réussite, tu sais, d'avoir réussi cette course-là. Tu sais, juste le fait de savourer ces kilomètres-là en montant, c'était comme, tu sais, je me suis même dit de m'emmener ailleurs, c'est déjà fini, tu sais, puis pour vrai. En le montant le Mont-Royal ensemble, c'est sûr que tu voyais que j'étais en mauvais état. Là, j'arrêtais, je marchais, je recourais, j'arrêtais, je marchais. Je regardais en arrière de moi comme si je me ferais rattraper, mais j'avais une heure d'avance sur le troisième. Puis quand on est arrivé, où est-ce qu'on avait la chance de voir où est-ce que notre cube était parqué? Ben, les deux, on était comme ça, tu sais. Puis, on a vu le cube, on était « Yes! » Parce qu'on avait mis de la bière dans le cube, ouais, on voulait pas se faire remarquer ça. Puis, pour vrai, ben, dans le fond, j'ai dit à Gio, j'ai dit « Regarde, il me reste le tour de la croix à faire en haut. » Je dis « Va m'attendre à l'arrivée. » Puis je devrais être là dans pas long. Mais pour de vrai, je suis arrivé à la ligne d'arrivée, j'ai sorti mon appareil photo parce que je n'avais plus de batterie dans mon cellulaire. Puis j'ai peut-être attendu 10-15 minutes
que j'avais l'impression que c'était les plus longues minutes de toute ma vie. Là. J'attendais, puis j'étais comme, coudon, il me semble, il reste juste 2,3 km. Pourquoi que c'est long comme ça? Puis, tu sais, il y avait Samuel qui était déjà arrivé. Puis, on était beaucoup à t'attendre, puis tout le monde se demandait. Tout le monde savait au moins que j'arrivais, tu sais, puis j'ai eu des amis qui étaient là par hasard, qui sont venus me rejoindre comme à peut-être 500 mètres du finish. Puis que. Ils ont dit « Aïe, aïe, t'as pas l'air fatigué! » Non, c'est correct. c'est où l'arrivée? Là, finalement, ils m'ont guidé jusqu'à l'arrivée. Puis, c'était un moment vraiment, vraiment magique. Là, les frissons, les larmes. Puis, j'ai une grosse gamme d'émotions. Là. T'étais prêt à partir pour un autre sang, en fond. Ouais. Let's go, mon match! Yeah! Yes, sir, man! Yes, sir, man! Bravo! Good job, man! Donc, ça conclut pas mal, je pense, là, notre fin de semaine là, du MRSQ. Écoute, le cube, le vélo électrique, 100 km de course à pied, des écureuils, des chats, des lapins, on en a vu. On a vu tout, hein? Tout. Des lapins, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai vu un lapin passer, je me suis dit, c'est obligé. J'ai même pas vu. C'est moi qui est trop fatigué, j'hallucine. Non, mais c'était vraiment un lapin. C'était vraiment un lapin, ouais. Je pense que tu m'en as parlé 4 km plus loin. Mathieu, pour la semaine prochaine, je vais te relâcher ton beau divan qui est très confortable en passant. J'étais très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Gio. Puis pour vrai, j'aurais jamais pu réussir ça sans toi. Je te remercie d'avoir eu la générosité de m'accompagner. Puis ça a été vraiment une expérience incroyable. L'année prochaine, on va connaître le parcours. Exactement.